Bonjour à toutes, bonjour à tous. En route sur les chemins de la philosophie, à la recherche de l'objet de l'art. Non pas les objets de l'art, mais l'objet, la fonction, la raison d'être, le but. Car à bien y réfléchir, si la réalité venait frapper directement nos sens, si nous pouvions entrer en contact immédiat avec les choses, à quoi servirait l'art? Monsieur Bergson, quelle est votre réponse? Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Bonjour Paul-Antoine Miquel. Bonjour. Quelle émotion d'entendre la voix d'Henri Bergson. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive, je dois dire. C'est vrai? C'est très... J'adore ce philosophe et ça fait un effet vraiment curieux de l'entendre vraiment. C'est la première fois. La seule archive qu'on a de lui, je crois, qui date du 3 juin 1936, et c'est la définition de l'objet de l'art. Oui. Je dois dire que ça me fait un effet assez étrange. À chaque fois qu'on l'entend, ça fait le même effet. Alors bon, ça tombe bien parce que c'est cet effet-là sur lequel qu'on va essayer de maintenir tout au long de cette émission. Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Toulouse 2 Le Mirail. C'est bien ça. Vous avez proposé une édition, dernier Flammarion, de La Pensée et le Mouvant. On a parlé cette semaine de l'édition en quadrige, au PUF. Donc voilà, c'est une autre édition que vous proposez, que vous avez dirigée, présentée par Pierre Montebello et Sébastien Miravette. Là, pour l'édition de La Pensée et le Mouvant, oui. Voilà. C'est ça. Et nous parlons aujourd'hui de la cinquième conférence qu'on trouve dans ce texte La Pensée et le Mouvant qui s'appelle La Perception du Changement. Ce sont des conférences faites à l'Université d'Oxford les 26 et 27 mai 1911. On peut le dire tout de suite, ce sont des textes difficiles. Oui, tout à fait. Ce sont des textes difficiles. Je crois, vous voyez, Bergson, il faut sortir vraiment, mais je pense que grâce à votre émission, on s'en aperçoit probablement beaucoup mieux, de l'image du philosophe de terminal, du philosophe facile, parce que en effet, ça se lit facilement, mais dès qu'on gratte un peu, qu'on essaie de comprendre les problèmes qui sont derrière le texte, on voit que c'est d'une subtilité incroyable, qu'il y a plusieurs lectures possibles, et qu'on touche à des difficultés qui sont énormes. Et là, ça va vraiment être le cas tout à l'heure. On y va. Oui, on y va, il n'y a pas de problème. Voici d'abord un point sur lequel tout le monde s'accordera. Si les sens et la conscience avaient une portée illimitée, si dans la double direction de la matière et de l'esprit, la faculté de percevoir était indéfinie, on n'aurait pas besoin de concevoir non plus que de raisonner. Concevoir est un pis-aller quand il n'est pas donné de percevoir, et le raisonnement est fait pour combler les vides de la perception ou pour en étendre la portée. Je ne nie pas l'utilité des idées abstraites et générales, pas plus que je ne conteste la valeur des billets de banque. Mais de même que le billet n'est qu'une promesse d'or, ainsi une conception ne vaut que par les perceptions éventuelles qu'elle représente. Ainsi commence donc le début de cette conférence, après les remerciements qui vont de mise au comité de l'Université d'Oxford qui l'accueille à ce moment-là. On est donc en 1911. Le premier point sur lequel Bergson insiste, c'est la différence entre perception et conception avec cette thèse. Concevoir est un pis-aller quand il n'est pas donné de percevoir. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, Antoine Miquel? Alors, je crois qu'il y a une première chose à quoi on peut se référer tout de suite. Cette chose, elle apparaît dès le début de La Pensée et le Mouvant, dès la première conférence, et dès la première page en fait, de la première conférence. Il dit, ce qui a manqué à la philosophie, c'est la précision. Vous voyez ? Et pourquoi est-ce que la philosophie devient imprécise ? Elle devient imprécise quand elle devient abstraite, quand ça devient une pensée des systèmes. C'est-à-dire, elle est à ce moment-là comme quand on porte des vêtements trop larges. Voilà. La pensée des systèmes, c'est une pensée trop large.
Et du coup, elle ne touche plus, elle n'atteint plus la réalité. Et donc, pour toucher la réalité, pour atteindre la réalité, et d'ailleurs, il compare à ce moment-là la philosophie à la science, parce que il dit très précisément, qu'il y a une précision immédiate, qu'on atteint immédiatement dans la pensée scientifique, parce qu'elle a ce caractère expérimental. Vous voyez ? C'est à ça qu'il pense. Et donc, ce qui fait qu'on atteint la réalité, c'est l'expérience. Bergson, c'est un philosophe de l'expérience. Et donc là, justement, on voit que dans ce texte, c'est pas toujours ce qu'il fait, hein, parce que c'est toujours très ambigu, les positions de Bergson. Dans ce texte, il dévalorise le concept, et au contraire, il revalorise la perception, mais pas n'importe comment. Il revalorise la perception, en fait, parce que, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, ce sur quoi il réfléchit, c'est sur ce qu'il appelle un élargissement de la perception. Comment élargir la perception et qui élargit la perception ? Alors ça pose évidemment deux questions. Qu'est-ce que c'est que la perception ? Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est qu'élargir la perception ? Et puis même une troisième question, parce qu'il y a toujours des personnages derrière les questions. Toujours des personnages. Et donc là, qui élargit la perception ? Qui pratique l'élargissement de la perception ? Mais d'ailleurs, on peut repartir sur l'extrait de la voix de Bergson que nous avons entendu. Quand il pose la question de savoir quel est l'objet de l'art, il le dit ensuite. Il dit, mais finalement... Vous répondez déjà à la troisième question. Le personnage, c'est l'artiste. Oui, c'est ça. Mais l'artiste arrive assez vite dans la conférence de la perception du changement. Finalement, ce que Bergson nous dit, il nous l'a dit directement, c'est que si nous avions un contact immédiat avec la réalité... nous n'aurions pas besoin de l'art. Sous-entendu que l'art a une fonction qui est celle d'établir cette relation immédiate avec la réalité. Absolument. Mais alors vous voyez, vous attrapez tout de suite un problème. Puisque ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la pensée conceptuelle, la pensée des systèmes, si elle devient abstraite, elle perd le contact avec l'expérience. Et pourtant, là, vous nous dites en même temps, oui, mais dans l'art, j'ai pas un contact immédiat avec la réalité. Alors c'est quoi ce contact avec la réalité qu'il y a dans l'art s'il n'est pas immédiat ? Non, c'est l'inverse. Bergson dit l'inverse. Si nous étions en contact immédiat avec la réalité, alors l'art serait inutile. Sous-entendu que l'art nous donne ce contact immédiat. Oui, l'artiste. Tout à fait, c'est ça. Donc il y a cette dimension d'expérience, mais d'expérience élargie, qui apparaît à travers le travail de l'artiste. Et donc un des points sur lesquels on va sûrement être amené à s'interroger, c'est pourquoi cette expérience est élargie et qu'est-ce qu'atteint l'artiste à travers cet élargissement et quel est le rapport entre ce qu'il atteint et puis le thème, la thématique des deux conférences d'Oxford, c'est-à-dire le thème du changement. Alors, on va écouter un extrait tout de suite de cette conférence, la première conférence de la perception du changement, où on parle de l'exemple de l'artiste, un des personnages que vous avez présenté, Paul-Antoine Miquel. écoutez ce texte interprété par Georges Clès. Il y a depuis des siècles des hommes dont la fonction est de voir et de nous faire voir ce que nous n'apercevons pas naturellement. Ce sont les artistes. À quoi vise l'art, sinon à nous montrer dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une certaine vision des choses qui est devenue ou qui deviendra la vision de tous les hommes. Un Corot, un Turner, pour ne citer que ceux-là, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne remarquions pas. Dira-t-on qu'ils n'ont pas vu, mais créé, qu'ils nous ont livré des produits de leur imagination, que nous adoptons leurs inventions parce qu'elles nous plaisent et que nous nous amusons simplement à regarder la nature à travers l'image que les grands peintres nous en ont tracée? C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais s'il en était uniquement ainsi, pourquoi dirions-nous de certaines œuvres, celles des maîtres, qu'elles sont vraies ? Approfondissons ce que nous éprouvons devant un Turner ou un Corot. Nous trouvons que, si nous les acceptons et les admirons, c'est que nous avions déjà perçu quelque chose de ce qu'ils nous montrent. Mais nous avions perçu sans apercevoir. C'était pour nous une vision brillante et évanouissante, perdue dans la foule de ces visions également brillantes, également évanouissantes, et qui constituent, par leur interférence réciproque, la vision pâle et décolorée que nous avons habituellement des choses. Le peintre l'a isolée, il l'a si bien fixée sur la toile que désormais nous ne pourrons nous empêcher d'apercevoir dans la réalité ce qu'il y a vu lui-même.
conférence s'appelle « La perception du changement ». Dans ce texte, on ne voit pas encore le lien avec le changement, on va y venir, mais on comprend l'intérêt de cette notion même de perception. Dans l'extrait que j'ai lu avant l'ouverture de cette conférence, Bergson disait que la conception était insuffisante en elle-même, qu'elle avait besoin de la perception. Et ici, on voit que finalement, l'image, le rôle joué par ce personnage qu'est l'artiste, c'est celui de nous mettre face à cette perception qui nous manque dans la philosophie. On peut le comprendre ainsi, Paul-Antoine Miquel. Oui, en un sens, oui, mais il l'élargit, c'est ça. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet, en quoi consiste cet élargissement. Alors, de la perception, donc. Oui, la première interprétation, toute bête, et d'ailleurs, pour être franc, je vous dis là tout simplement un cheminement qui était le mien quand j'ai lu au début ce texte, c'est comme ça que j'ai compris. Cet élargissement, c'est juste le fait que le peintre va ajouter sa vision. Il va ajouter sa vision, il va nous proposer sa vision, il va nous la communiquer. On va pas voir la pomme, on va voir en même temps la vision par le peintre de la pomme. C'est pas la pomme, c'est la vision que Cézanne propose de la pomme. Et si c'est ça, si on comprend les choses simplement comme ça, alors ça donne un tour subjectiviste à l'art. C'est-à-dire en fait, et on pourrait imaginer qu'en effet c'est ce que Bergson vise, puisque les deux auteurs qu'il cite, les deux peintres qu'il cite, Turner et Corot, sont des peintres qu'on qualifie souvent de pré-impressionnistes. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que va faire ici le peintre, Corot ou Turner, les Dissolving Views là? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, en fait, au lieu de peindre l'objet ou de peindre le paysage, il peint les impressions qu'il a du paysage. Donc, c'est la première interprétation, on peut lire ça comme ça. Et à mon avis, si on lit ça simplement comme ça, l'élargissement, c'est ça, c'est le peintre nous propose sa vision. Et à mon avis, si on lit ça simplement comme ça, on se trompe complètement sur le sens du texte. Vous voyez? C'est très subtil, Bergson. On ne comprend pas ce que veut dire Bergson si on lit ça simplement comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on se trompe complètement sur le sens du texte? Ben regardez, il le dit dès le début, il faut faire attention, c'est tout. Hein. À quoi vise l'art? Il nous donne plusieurs signes. Et premier signe, à quoi vise l'art sinon à nous montrer dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens? Ce que vise l'art, c'est pas simplement à restituer un vécu. Ce qu'il cherche, c'est pas simplement à restituer ce qui se passe en nous, notre dimension intérieure. Ce qu'il cherche, c'est la communication entre ce qui est en nous et ce qui est hors de nous. Et ce qui est hors de nous, c'est ce qui fait que nous participons de quelque chose qui n'est pas tout. Que nous sommes dans un monde qui n'est pas simplement le nôtre. C'est-à-dire dans un monde naturel. Vous voyez? Et donc, c'est ça, il y a une dimension de l'art qu'on ne peut pas comprendre si on reste enfermé dans la dimension vécue, la dimension de la conscience. Donc ce que vous dites, comme c'est que si on faisait de Bergson simplement un philosophe de la conscience, qui à mon avis est une erreur capitale. Non, il y a une dimension cosmique. Le geste de l'artiste désubjective la perception. Absolument. L'artiste est celui qui fait sortir de la subjectivité. Désubjective, en tout cas, il y a de la communication entre le dedans et le dehors, à travers l'art. Et vous de voyez, l'artiste. Oui, tout et, à fait. Et pour celui qui regarde le tableau également. Et pour celui qui regarde le tableau également, tout à fait. Regardez, on peut lire d'autres passages. Les grands peintres remontent une certaine vision des choses, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne remarquions pas. Donc vous voyez, en fait, ils préparent ici une thématique qui va être celle de tout l'article, qui est de comprendre que, attention, on parle du changement, on parle du mouvement, on parle pas de la durée. On parle du changement, on parle du mouvement. Et on va voir qu'en fait, Corot et Turner, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils mettent en figure le changement. Mais alors là, de quel changement s'agit-il? Il y a une dimension expressive. Ben, dans les Dissolving Views, vous voyez la mobilité des choses. Donc là, vous parlez des tableaux de Turner. Absolument, lui-même. Absolument. C'est ça, le fondu. C'est ça, le Dissolving Views. C'est le fondu. Hein. Vous voyez la mobilité des choses. Vous voyez la mobilité dans les choses. Donc c'est pas simplement en moi, dans ma vision. Dans mon vécu, c'est dans les choses. Et c'est ce passage du dedans au dehors. C'est là que l'artiste intervient. Et c'est là qu'est l'élargissement. C'est cette espèce de trait d'union, de témoin, qui nous fait passer du dedans au dehors, qui nous fait voyager depuis le dedans, depuis la durée immanente au vécu de conscience, à la durée immanente au tout de l'univers. Mais Bergson dit autre chose. Il dit, voilà. Pourquoi dirions-nous de certaines œuvres, celles des maîtres, qu'elles sont vraies? C'est alors, que l'art nous met en contact avec la vérité. Mais bien sûr, mais c'est pas autre chose, c'est la même chose. Si vous regardez, en fait, Corot
et Courbet, ils étaient aussi... Courbet, oui, Turner, oui, tout à fait. Courbet, non, ils étaient aussi, comment dire, répertoriés dans le courant réaliste. Il ne faut pas oublier ça. Il aurait, vous savez, en 1911, ils sont connus, les impressionnistes. Pourquoi ils ne citent pas les impressionnistes? Ils citent Corot et Turner. Ils ne citent pas Monet. Ils sont connus depuis 1890. Mmh. Ils sont connus, hein, tous ces peintres. Pourquoi ils ne les citent pas? La vérité, ce n'est pas de la fantaisie pour lui, l'art. Ça dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire, ça ne dit pas simplement quelque chose de l'imagination de l'artiste. Il y a cette fonction de communication qui apparaît. Et du coup, derrière cette fonction de communication, il y a un sens métaphysique de l'œuvre d'art. Il y a un sens qui n'est pas simplement esthétique, mais qui est métaphysique de l'œuvre d'art. C'est vraiment comme ça que Bergson présente les choses. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que l'artiste est quelqu'un qui est l'équivalent du philosophe. Ce n'est pas du tout ça. Il y a même un certain dédain de Bergson pour l'artiste. Mais, oui, si vous suivez la suite de la conférence, vous allez voir, ensuite, c'est le philosophe qui prend le relais quand il va falloir parler du changement, et on laisse complètement l'artiste de côté. Avant de le laisser de côté, continuons avec Bergson à nous intéresser à ce personnage de l'artiste, puisqu'on va voir comment ensuite on en vient au philosophe, et donc à la perception du changement, qui est le but quand même de cette conférence. Bergson écrit ceci: l'art suffirait donc à nous montrer qu'une extension des facultés de percevoir est possible. On l'a compris, vous venez de l'expliquer, Antoine Miquel. Mais comment s'opère-t-elle? Remarquons que l'artiste a toujours passé pour un idéaliste. On entend par là qu'il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C'est au sens propre du mot un distrait. Pourquoi alors, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses? Et c'est là la question. Comment la distance, c'est une excellente question, nous permet-elle de nous rapprocher et voir vrai? Vous repérez bien dans les textes, c'est une excellente question. L'artiste est un idéaliste, c'est-à-dire, eh ben justement, c'est ce qui va faire la différence. Et là, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse la transition ou pas, mais on voit bien ici que l'élargissement de la perception, c'est pas la perception. Et c'est pas la perception telle qu'elle est présentée dans l'ouvrage de 1896, Matière et mémoire. Au contraire, l'artiste est un idéaliste, ça veut dire sa fonction, c'est de nous détacher des besoins naturels, des besoins adaptatifs de l'humain. Alors que la fonction de la perception, au contraire, c'est de nous attacher aux besoins. Une des fonctions de la perception, parce qu'en fait, quand on analyse la perception précisément, c'est complexe, il y a deux éléments. Mais un des éléments, c'est la perception est là, comment dire, elle est liée au cerveau comme organe de l'attention à la vie, et donc elle est liée aux besoins. La perception n'élargit pas, elle retranche, au contraire. Elle est restrictive, elle n'est pas extensive, la perception. Donc il y a un paradoxe inhérent à l'artiste. Comment peut-il élargir la perception alors que celle-ci a une visée restrictive? C'est pas un paradoxe, c'est parce que dans la perception courante, la fonction remplie par la perception courante est une fonction simplement biologique. Simplement biologique. La perception, d'ailleurs, c'est pas propre à l'humain. On pourrait presque dire que tout être vivant perçoit. Vous comprenez? Et tout être vivant, même la paramécie, a des besoins. Et lié à ces besoins, il y a une relation entre perception et action. Pour tout être vivant, pas besoin d'un cerveau pour ça. Chez l'homme, ça passe par le cerveau, l'organe de l'attention à l'action, etc. Mais chez tout être vivant, c'est comme ça. Alors que l'art, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui... de manière figurée, de manière figurative, change la direction, nous met en direction du réel, et essaye de nous écarter de cette direction biologique et adaptative qui est d'abord la nôtre. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'en effet, il pratique un élargissement de la perception. C'est pas juste percevoir. J'ai mal à la tête. Vous voulez de la quinine? Madame Chevalier? Oui, mademoiselle. Apportez de la quinine à Monsieur Van Gogh, s'il vous plaît. Comme c'est difficile de faire simple. On va déjeuner dehors. Ce sera prêt dans un quart d'heure. Voilà, c'est toujours pareil. À Denem, ma mère et ma sœur n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'interrompre pendant que je travaillais. Tout ça pour aller avaler leur saloperie de bouffe hollandaise. Enfin, ma sœur venait me chercher. Pas un regard à mon travail. Ben, les femmes, il n'y a que la matière qui les intéresse. Ne soyez pas injuste. Manger, c'est plus important que de peindre un tableau. On peut vivre sans peindre, mais si on mange pas, comme vous dites, on crève. Prenez la pause. Vous me demandez pas ce que j'en pense? Je m'en fous.
Ils sont comme ça, les peintres, je les adore. Ma robe, elle est pas comme ça. C'est trop, on dirait du plomb. Puis ça traîne, ah bah ça, elle traîne. Et mes mains, vous les avez fait toutes crochues. C'est n'importe quoi, tout ce que vous avez fait. Ces couleurs vineuses, on dirait du dégueulis. Je les ai vus, vos paysages. Vous avez fait ça exprès ou quoi? Qu'est-ce que j'entends? Un petit différent pictural? D'abord, Clémentine, tu poses et tu te tais. Ce n'est pas la prérogative du modèle de discuter son exécution. Ah bah ça, c'est le mot. Admirable. Admirable, c'est le mot. Ces mauves rompus, ce rythme, ce fond, ces mains, ces volutes de la robe. Tu parles, elle pèse 2 tonnes. Comme une vague. J'aime pas le mauve. J'étais pas bien mauve. Le mur, il l'était pas non plus. C'est vrai, je me prends pas pour une déesse, mais enfin bon, quand même. C'est moi, cette dondon violette, là, sur fond violet? Avant de philosopher, il faut vivre. Et la vie exige que nous nous mettions des œillères, que nous regardions non pas à droite, à gauche ou en arrière, mais droit devant, dans la direction où nous avons marché. Notre connaissance, bien loin de se constituer par une association graduelle d'éléments simples, est l'effet d'une dissociation brusque. Dans le champ immensément vaste de notre connaissance virtuelle, nous avons cueilli, pour en faire une connaissance actuelle, tout ce qui intéresse notre action sur les choses, et nous avons négligé le reste. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h22. Nous parlons de Bergson cette semaine, du texte La pensée et le mouvant, et plus précisément aujourd'hui de la conférence intitulée La perception du changement, en compagnie du philosophe Paul-Antoine Miquel, à qui l'on doit une édition en Garnier Flammarion de La pensée et le mouvant. Et on vient d'entendre un extrait du Van Gogh de Maurice Pialat, Paul-Antoine Miquel, qui donne bien à entendre alors d'abord le conflit entre la vie de l'artiste et la vie, disons, ordinaire, la vie quotidienne, qui vient s'immiscer, qui n'est pas du tout de la même, fait de la même temporalité, en fait, qui est celle dont a besoin l'artiste pour créer. Et aussi ce qu'un des personnages appelle le différent pictural, c'est que la modèle qui pose lui dit « mais ce que tu fais ou ce que vous faites ne ressemble pas du tout à ce qui est, on est dans une perception qui est complètement différente ». Et les quelques phrases de la conférence que j'ai lue ensuite apportent un peu une explication à cette différence de perception. Avant de philosopher, il faut vivre. Tout à fait. Or, cette phrase est géniale, la vie exige que nous nous mettions des œillères, que nous regardions non pas à droite, à gauche ou en arrière, mais droit devant nous, dans la direction où nous avons marché. C'est ça. C'est la différence entre la perception de l'artiste et notre perception au quotidien. Absolument. Alors par contre, je voudrais que vous relisiez la fin du passage que vous avez lu. Parce que vous allez voir que dans fin de ce passage, il dévalorise la connaissance. Ah, que je continue plus loin. Oui. Donc, notre connaissance, bien loin de se constituer par une association graduelle d'éléments simples, est l'effet d'une dissociation brusque. Dans le champ immensément vaste de notre connaissance virtuelle, nous avons cueilli, pour en faire une connaissance actuelle, tout ce qui intéresse notre action sur les choses. Voilà. Nous avons négligé le reste. Et tout ensuite, c'est ça, vous voulez la suite? Oui, non, ça suffit. Ça suffit. Parce que vous voyez, là, on entre dans une des autres tartes à la crème sur Bergson. C'est-à-dire, c'est une tarte à la crème qui consiste à dire, voilà, la connaissance et donc la science n'a qu'un regard relatif sur son objet. Et ce qui atteint l'absolu, c'est l'artiste et le philosophe. Et ça, c'est complètement faux. C'est encore une des tartes à la crème, c'est encore un des poncifs de la pensée d'Arsène. Encore, il y en a beaucoup? Ah bah, vous avez vu tout à l'heure, l'artiste, c'est l'impression subjective, et donc maintenant, la connaissance, elle est symbolique et relative. Alors, c'est toujours pareil, vous avez des textes où Bergson dit ça. Il n'y a aucun doute. Par exemple, dans la conférence de 1903, qui est aussi dans la pensée et le mouvement, probablement, donc vous allez inviter quelqu'un pour en parler aussi, et ben vous allez voir, il dit en effet ça, en 1903, il dit « qu'est-ce que fait la science, la connaissance ? Elle tourne autour de l'objet, elle n'entre jamais en lui. » Alors, vous voyez tout de suite que s'il dit ça à ce moment-là, alors qu'il disait au début de la première conférence de la pensée et le mouvement, qu'au contraire, la science est précise. Si elle est précise, comment expliquer qu'elle tourne autour de l'objet et qu'elle n'entre jamais en lui? Ça ne va pas. Non, non, ça ne va pas du tout. Et en fait, la tendance de fond, au contraire, c'est de dire qu'il y a une dimension de la connaissance, une dimension de la science qui touche quelque chose de la réalité. Et même, en fait, de la perception. La perception n'est pas simplement quelque chose qui a une fonction biologique. Il y a déjà dans la perception quelque chose qui touche une dimension de la réalité. Parce qu'en fait, il y a déjà une forme d'élargissement dans la science.
Simplement, la forme d'élargissement qui est dans la science n'est pas de même nature que celle qui est dans l'art. Et c'est ça qu'il faudrait essayer d'expliquer maintenant. Et ben c'est ce qu'on va faire parce que, voilà. Là, pour le coup, si je lis les quelques lignes qui suivent, Bergson semble en effet penser que ce qui relève de l'approche scientifique est restrictif. Il dit « le cerveau paraît avoir été construit en vue de ce travail de sélection ». On le montrerait sans peine pour les opérations de la mémoire, notre passé, ainsi que nous le verrons dans notre prochaine conférence, se conserve nécessairement, automatiquement, il survit tout entier, mais notre intérêt pratique est de l'écarter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est le cerveau lui-même tel qu'il est constitué qui nous conduit à faire cet écartement, cette sélection, et à ne retenir que ce qu'il y a d'essentiel pour agir. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. Et déjà, c'est vrai et c'est faux pour la perception. Et je voudrais lire un passage de Bergson. Si vous me permettez. Ça ne fait pas autre chose. Hein. Voilà, c'est tiré de la fin du chapitre premier de Matière-Mémoire. Et regardez ce que dit Bergson. Donc ça, c'est un texte, c'est 1896, hein, c'est ça. 1896, bien avant, tout ouais. À fait. Mais ensuite, vous le retrouveriez dans la pensée de mouvement. On pourrait lire des passages de la deuxième conférence. Vous verriez que vous retrouviez exactement la même chose. Et aussi dans l'évolution créatrice. Resterait alors cette seconde conclusion d'ordre plutôt métaphysique que nous sommes véritablement placés hors de nous dans la perception pure, que nous touchons alors la réalité de l'objet dans une intuition immédiate. Nous sommes placés hors de nous et nous touchons la réalité de l'objet dans une intuition immédiate. Il y a une intuition dans la perception pure. Dans quel cas ? Comment en expliquer général ? Un tel phénomène si on se réfère à ce que dit normalement Bergson ? Normalement, au contraire, c'est quand je rentre en moi que... quand je retrouve les vécus de conscience, que j'atteins la dimension de l'intuition philosophique. Et là, c'est en étant placé hors de moi que j'atteins la dimension de l'intuition, qui est une dimension métaphysique. Il y a quelque chose dans la perception qui n'est pas simplement organique. Il y a déjà quelque chose dans la perception qui a une dimension métaphysique. Et ça sera pareil pour la science. Il y a quelque chose dans la science qui n'a pas simplement une dimension relative et symbolique. Il y a aussi quelque chose dans la science qui a une dimension métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire, une dimension métaphysique ? Je vais vous expliquer tout de suite. Dites-nous. Ça veut dire qu'on touche le réel. Pourquoi ? Eh ben, c'est très simple. Parce que dans la perception, vous avez deux choses. La première chose que beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal à comprendre, et d'ailleurs, il y en a qui carrément font comme si ça n'existait pas, il y a une théorie de la réflexion. La perception nous place hors de nous. La perception, c'est comme si les choses se réfléchissaient en nous. Donc elle nous dépersonnalise complètement, la perception. Elle nous place hors de nous. C'est comme si les choses se réfléchissaient en nous. Et en même temps, à travers la perception, il y a une deuxième dimension, et les deux en fait s'entrecroisent dès le début. Cette deuxième dimension, c'est ces choses qui se réfléchissent en nous, et il y a quelque chose en nous qui est organique, qui est biologique, c'est le cerveau, c'est l'organe de l'attention, qui trie parmi ces choses qui se réfléchissent en nous, celles qui nous intéressent. Et c'est là qu'est la fonction biologique. Là, vous avez raison. Il y a la fonction. Ah, mais j'ai proposé aucune interprétation, départ, je ne fais que dire Bergson. Dans la perception, il y a aussi cette dimension qui fait que nous sommes placés hors de nous. Et pourquoi ? Parce que regardez, je vous regarde. Vous allez comprendre tout de suite ce qu'il veut dire, Bergson. C'est très bête. Je vous regarde. Et je sais que vous êtes là. C'est aussi bête que ça. Alors ça, tous les philosophes ne seraient pas d'accord. Hein. J'ai beau... Attendez, laissez-moi finir ma phrase. Après, vous me direz tout ce que vous voudrez. Et j'ai beau... me dire, bah bien entendu, quand je sais toutes les choses qui font que vous êtes là, je suis ramené à mes sensations. Je suis donc ramené à moi-même, à ma vision, à mon ouïe, à mon toucher, à mon odorat, etc. Et donc finalement, si je me réfère à tout ce qui fait que je sais que vous êtes là, je retourne vers moi-même. Je suis enfermé en moi-même, à nouveau. Et finalement, j'ai aucune réelle preuve tangible de votre existence. Mm-hmm. Et pourtant, dans la perception, je sais directement que vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que cette intuition ? Cette intuition spéciale qui fait que, en même temps, je sais, c'est le paradoxe de la perception, que reprendra Merleau-Ponty après d'ailleurs, en même temps, je sais que vous êtes là, et pourtant, tous les éléments qui me permettent de savoir que vous êtes là viennent de moi, et non pas de vous. Qu'est-ce que c'est que cette... Eh bien, parce qu'en réalité, dans la perception, il n'y a pas que des choses qui viennent de moi. Il y a aussi des choses qui viennent de mon rapport à l'univers, de mon rapport à la nature. En même temps, le message métaphysique de la perception, qui est contenu dans la perception. Dès le départ, c'est ça. Le message de la perception, c'est que je ne suis pas simplement dans mon monde de vécu, de pensée, dans le monde de la conscience. En même temps, je suis dans un monde qui n'est pas le mien. Je suis dans deux mondes en même temps. Exactement. C'est le redoublement d'immanence. Le redoublement d'immanence. En même temps, je suis en moi,
Et donc, je le suis parce que je ressens depuis le dedans, de l'intérieur, la durée vécue par moi-même. Et en même temps, par la perception, je suis placé hors de moi. C'est-à-dire que je fais partie d'un tout qui n'est pas moi. Le tout dont je fais partie n'est pas moi. Eh bien, le message de la science, c'est d'analyser ce tout dont je fais partie et qui n'est pas moi. C'est un message d'objectivation. Mais ce n'est pas du tout un message simplement symbolique et artificiel. C'est un message métaphysique. Il a un sens métaphysique parce qu'il nous dit « Vous faites partie d'un univers qui n'est pas simplement vous. » C'est ça le message. Alors après, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est pourquoi la science n'est pas l'art et pourquoi l'art n'est pas la science. Vous allez nous le dire dans un instant, mais d'abord on va redonner la parole à Bergson par l'intermédiaire de la voix du comédien Georges Clès, qui va convertir peut-être les plus sceptiques d'entre vous, chers auditeurs, en quel sens est-ce qu'il y a une double immanence, c'est-à-dire j'appartiens à la fois au monde intérieur qui me constitue, au monde extérieur. Bien, il y a une expérience qui nous fait basculer quelque part du côté de cette double immanence, c'est ce que Bergson appelle la conversion brusque de l'attention. Écoutez le texte. Une attention à la vie qui serait suffisamment puissante et suffisamment dégagée de tout intérêt pratique embrasserait dans un présent indivisé l'histoire passée tout entière de la personne consciente. Non pas comme de l'instantané, non pas comme un ensemble de parties simultanées, mais comme du continuellement présent qui serait aussi du continuellement mouvant. Telle la mélodie qu'on perçoit indivisible et qui constitue d'un bout à l'autre, si l'on veut étendre le sens du mot, un perpétuel présent. Il arrive, dans des cas exceptionnels, que l'attention renonce tout à coup à l'intérêt qu'elle prenait à la vie. Aussitôt, comme par enchantement, le passé redevient présent. Chez des personnes qui voient surgir devant elles, à l'improviste, la menace d'une mort soudaine, chez l'alpiniste qui glisse au fond d'un précipice, chez des noyés et chez des pendus, il semble qu'une conversion brusque de l'attention puisse se produire. Quelque chose comme un changement d'orientation de la conscience qui, jusqu'alors tournée vers l'avenir et absorbée par les nécessités de l'action, subitement s'en désintéresse. Cela suffit pour que mille et mille détails oubliés soient remémorés, pour que l'histoire entière de la personne se déroule devant elle en un mouvant panorama. À 10h33 sur France Culture, on écoute la rêverie de Debussy pour illustrer ce que Bergson dit de la mélodie qu'on perçoit indivisible et qui constitue d'un bout à l'autre, si l'on veut étendre le sens du mot, un perpétuel présent. C'est donc dans La perception du changement, la conférence qu'on trouve dans La pensée et le mouvement, le texte qui nous accompagne toute cette semaine, que l'on trouve ces phrases. Et c'est vous, Paul-Antoine Miquel, qui êtes avec nous en studio pour nous aider à comprendre ce texte. Finalement, là, avec cette idée de la mélodie qui nous met face à un éternel présent, on arrive à l'idée du changement, hein, qui est présente, qui est le but quand même de la conférence. On a eu besoin de poser les choses pour comprendre comment on y aboutissait. Alors dites-nous, cette conversion brusque, que ce soit l'alpiniste, les noyés, les pendus, nous dit Bergson, qui nous projette dans une distance à l'égard du monde, qui fait qu'on accède à autre chose, une forme de présent éternel, ce qui a un lien avec la mélodie elle-même, dans ce présent, ce perpétuel présent, nous dit Bergson. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre du changement, justement? Alors, pas directement, ça ne fait pas comprendre directement. D'abord, je voudrais revenir, pour introduire ça, pour être clair sur les problèmes qu'on va poser là, je voudrais revenir sur... Qu'est-ce qui fait la différence entre le savant et l'artiste? On a maintenant deux personnages. Mmh. On a le savant et on a l'artiste. Et on a vu qu'il ne faut pas mépriser, il ne faut pas dévaloriser le savant. Le savant n'est pas un imbécile. C'est très important parce qu'il y a toute une partie de la culture philosophique française qui va tomber dans le panneau, qui va penser qu'on peut faire de la philosophie sans interroger la science. Et ça, je crois que c'est une grave erreur. Et ce n'est pas du tout l'erreur que faisait Bergson. Donc, qu'est-ce qui manque? Alors, il faudrait beaucoup de temps pour répondre, mais en deux mots, qu'est-ce qui manque dans la perspective scientifique? Qu'est-ce qui manque dans la
perspective explicative de la science qui fait qu'on n'atteint pas la dimension expressive de l'art. Qu'est-ce qui manque ? Ben justement, ce qui manque, c'est une pensée du changement. C'est une expérience du changement. Parce que quand vous regardez, et en tout cas c'est comme ça que Bergson le lit, et avec une certaine réussite, quand vous regardez ce que c'est que le travail du savant, il nous parle de l'univers. C'est extraordinaire déjà de faire ça. Il nous fait sortir de nous-mêmes, de notre coquille. C'est ça la grande réussite du savant. Il nous parle de l'univers. Il nous dit des choses de nous, mais il nous dit bien plus que des choses de nous. Il nous dit des choses de nous en tant que nous faisons partie de quelque chose de plus large que nous, de plus important que nous, d'une certaine façon, qui s'appelle l'univers. Et finalement, nous ne sommes plus grand-chose dans cet univers dont il parle, le savant. Seulement, comment fait-il pour parler de l'univers ? Toujours de la même manière. Il analyse ce qui change à partir de ce qui ne change pas. Il analyse ce qui bouge à partir de ce qui ne bouge pas. C'est-à-dire que pour arriver à écrire des équations, pour arriver à y dégager une structure, un système théorique, et on ne va pas entrer dans le détail de ça aujourd'hui, ce n'est pas le but de l'émission, il faut toujours procéder de cette façon. Partir de ce qui change et expliquer ce qui change par ce qui ne change pas. Et vous voyez qu'il y a un engagement philosophique derrière cette méthode. C'est un engagement qui vise à valoriser l'être. Oui, mais alors qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas, Paul-Antoine Michel, soyons concrets. Ah bah, par exemple, vous prenez une planète qui tourne autour du Soleil. Ça bouge, ça change. Mmh. Ou la flèche d'Achille. Ça bouge, ça change. Bah, si vous prenez la planète qui tourne autour du Soleil, vous allez expliquer ce mouvement à partir de quelque chose, la structure du mouvement, qui est complètement éternelle. La structure du mouvement est donnée par des équations, par une formule, qui vont montrer qu'il y a des symétries. En fait, derrière le mouvement de la planète. Et que ces symétries, elles sont toujours les mêmes. Et elles vont permettre d'expliquer et de calculer la trajectoire de la planète. Donc vous voyez, j'explique ce qui bouge à partir de ce qui ne bouge pas. Et finalement, du coup, forcément, ce qui bouge, ça n'a pas beaucoup d'importance. Comme vos mains qu'on entend se claquer. C'est le phénomène qu'il faut expliquer. Et pour l'expliquer, on atteint le niveau du réel, et le niveau du réel, c'est ce qui ne bouge pas. Donc, la tentation est très grande quand on se place dans la logique du savant de penser qu'il faut comprendre le devenir à partir de l'être, et non pas l'être, à partir du devenir. Et l'artiste inverse exactement cette position. C'est pour ça que le problème du changement arrive. Et que l'artiste se retrouve d'un seul coup plus près du philosophe. Parce que le philosophe dont il est question à travers la pensée de Bergson, et c'est une curiosité dans la pensée occidentale. C'est un philosophe du devenir, c'est pas un philosophe de l'être. Mais est-ce que ça veut dire que le changement, c'est ce qu'il y a de plus durable en réalité ? Ah bah pour lui, oui, bien sûr. Ce qui est paradoxal, la formule est paradoxale. Même s'il l'appelle substantiel après, qu'on peut vraiment discuter. Oui, il dit que formule. Le changement est substantiel. Oui, le changement, je souhaite il pas... substitue le changement à l'être ? Absolument, c'est ça. Il renverse la hiérarchie métaphysique traditionnelle, où j'explique. Et qui est celle présente spontanément dans la science. Il y a une métaphysique spontanée dans la science classique. Qu'est cette métaphysique qui dit « je vais expliquer ce qui change à partir de ce qui ne change pas » et pas l'inverse. Et donc là, il renverse la hiérarchie. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un personnage pour l'aider à changer cette hiérarchie. Et ce personnage qui l'aide, c'est l'artiste. L'artiste voit le changement dans les choses. Il le voit aussi en nous. Mais il le voit en même temps dans les choses. Et puisque vous avez lu ce passage de Van Gogh, vous voyez bien, qu'est-ce qu'il voit dans la robe ? Il voit des tourbillons. Mmh. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ces tourbillons ? C'est des rivières. Vous voyez bien que ça communique ce qu'il voit. Et puis la nature, ça communique. Il y a cette espèce de violence de la nature qu'on voit à travers les tableaux de Van Gogh. C'est aussi la violence de l'esprit. Mais c'est en même temps la violence de la nature. Les deux choses communiquent. C'est cette expressivité cosmique. C'est ça que l'artiste voit. Et pourtant, quand on lit les deux conférences que constitue la perception du changement, on voit que Bergson, après avoir pris le personnage de l'artiste, évoqué celui du savant, en revient quand même au philosophe. Finalement, c'est la philosophie a quelque chose de plus que n'a pas l'art ni la science. Absolument. Ah oui, puisque le philosophe remet avec des mots et retrouve des schèmes conceptuels. Parce que tout à l'heure, on a dévalorisé les concepts, mais il faut quand même le revaloriser un peu. Le philosophe, même si c'était le titre de mon premier livre, c'est pas simplement un homme qui a de l'imagination. C'est aussi une pensée qui s'exprime à travers des concepts, la pensée philosophique. Ils disent souvent, à partir de l'évolution créatrice, l'intuition chevauche l'intelligence. Hein ? Et il dit aussi qu'il y a une dimension dialectique dans l'intuition, dans l'évolution créatrice. C'est bien ça. Simplement, c'est pas des concepts au sens traditionnel, c'est pas des idées générales, c'est des schèmes conceptuels.
Hein. Donc, ils ont toujours, y a toujours un lien entre le concept et l'image, à travers les concepts philosophiques. Voilà, regardez la durée, l'élan vital. Vous avez toujours un lien, ça donne à penser. C'est jamais explicite, le sens d'un concept philosophique chez Bergson. Mais oui, le philosophe va ressaisir cela, puisque c'est lui qui va donner, finalement, dégager une vision du réel, véritablement. Le peintre ne fait que la figurer sur l'instant, en regardant quelque chose. Il va figurer, il va exprimer quelque chose du changement. Mais le philosophe va donner une vision du réel. Il va dire, ce qui est devant, c'est pas l'être. Ce qui est devant, c'est le changement. Ça, c'est une vision du réel. C'est une métaphysique. Ce qu'il y avait d'immobile et de glacé dans notre perception se réchauffe et se met en mouvement. Tout s'anime autour de nous, tout se revivifie en nous. Un grand élan emporte les êtres et les choses. Par lui, nous nous sentons soulevés, entraînés, portés. Nous vivons davantage, et ce surcroît de vie amène avec lui la conviction que de graves énigmes philosophiques pourront se résoudre, ou même peut-être qu'elles ne doivent pas se poser, étant nées d'une vision figée du réel, et n'étant que la traduction, en termes de pensée, d'un certain affaiblissement artificiel de notre vitalité. Plus, en effet, nous nous habituons à penser et à percevoir toute chose subspecie de rationis, plus nous nous enfonçons dans la durée réelle. Et plus nous nous y enfonçons, plus nous nous replaçons dans la direction du principe, pourtant transcendant, dont nous participons, et dont l'éternité ne doit pas être une éternité d'immutabilité, mais une éternité de vie. Ainsi s'achève cette conférence sur la perception du changement par Antoine Miquel. Le but, si but il y a, c'est bien que tout s'anime autour de nous, tout se revivifie, et donc que ce changement perpétuel, ce devenir, soit finalement ce en face de quoi nous nous trouvions. C'est-à-dire que c'est le fin mot de l'histoire. Tout à fait. Alors, vous avez vu qu'il reprend la formule de Spinoza, hein, il la transforme. Ça devient subspecie du rationnisme, mm-hmm. C'est-à-dire la durée. Simplement, vous voyez, cette durée, elle est plus simplement à nous. Elle est en même temps dans les choses. Voilà, c'est ça, en fait, qu'on voit apparaître là. Et c'est l'un des messages forts qu'il y a dans cette conférence, c'est de bien comprendre qu'on sort de nous, qu'on analyse plus simplement la durée vécue par la conscience, mais qu'on tombe dans la durée immanente au tout de l'univers. Et que c'est ce voyage, cette communication entre les deux qu'il faut faire. Alors ensuite, on est juste un petit peu vogué dans cette direction, parce qu'après, il faudrait approfondir, il faudrait comprendre pourquoi. Est-ce que Bergson, qu'est-ce qui justifie dans la construction de la vision du réel de Bergson, cette métaphysique du devenir qu'il veut nous présenter? Parce que là, on suggère simplement, finalement. On dit, regardez, l'artiste nous montre le changement alors que le savant ne fait pas le faire. Mais il faut faire plus que suggérer, il faut construire. Il faut qu'il y ait une vision construite qui passe par des schèmes conceptuels. Là, on va pas voir ça aujourd'hui, c'est pas dans le texte la perception du changement qu'il le voit. On le voit dans Matière et Mémoire, on le voit dans l'évolution créatrice. Qui pourtant ont été écrits avant ce texte. Oui, tout à fait. Par exemple, la théorie des deux ordres. C'est un point essentiel de cette métaphysique du devenir. C'est la théorie des deux ordres. Je ne peux jamais dire ce qu'est le réel. Par exemple, je ne peux pas dire le réel, c'est l'esprit. Le réel, c'est l'esprit, en un certain sens, si je me place d'un certain point de vue. Mais toujours, il y a toujours l'autre point de vue qui est présent en même temps. Et qui fait qu'il faut que je le dise aussi, le réel, c'est la matière. Donc, il y a ce glissement permanent d'un point de vue à un autre point de vue, qui fait que, justement, si j'analyse finalement ce qu'est le réel, je ne peux jamais m'arrêter simplement à un point de vue. Il faut que j'embrasse la pluralité des points de vue. Et derrière cette pluralité des points de vue, là apparaît clairement la thématique du devenir. Là apparaît clairement le fait que je n'ai pas de structure de substantialité arrêtée du réel, que je peux définir une fois pour toutes. C'est un des outils dont se sert Bergson pour développer sa métaphysique du devenir. Il y en a d'autres dans Matière et Mémoire. Voilà. En tout cas, à la fin de la conférence, l'extrait que j'ai lu, on trouve cette phrase qui nous renseigne aussi sur la raison d'être aussi de ce travail-là. Nous vivons davantage. C'est que ce n'est pas simplement un problème théorique qu'il se pose et qu'il essaye de résoudre de manière philosophique après avoir envisagé le cas de l'artiste et le cas du savant. C'est qu'il y a quand même une puissance de vie à laquelle il faut parvenir. Et nous vivons davantage. Voilà ce qu'il veut dire quand c'est bien compris. Voilà ce à quoi ça nous conduit. C'est pratique. C'est bien que vous dites ça. Vous savez, moi je vais souvent en Extrême-Orient. Je vais souvent en Extrême-Orient, en Asie, en Corée, en Chine, au Japon.
Et quand on discute de Bergson philosophie beaucoup étudié française de Bergson avec des Coréens ou des Japonais ou des Chinois, immédiatement pour essayer leur culture, ils voient le lien entre une pensée du devenir et une pensée de la vie. Le lien est presque direct. On ne va pas développer ça aujourd'hui non plus, mais c'est évident. Si vous inversez l'ordre des choses, si vous dites que ce qui est au fond, ce n'est pas l'être, que ce qui est au fond, c'est le devenir, vous posez tout de suite le problème de savoir est-ce que je ne vais pas tomber dans une approche vitaliste de la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de principe? Mais ça, on est d'accord que Bergson ne l'invente pas. On ne peut pas remonter jusqu'à Héraclite, les présocratiques, l'idée d'un devenir qui se substitue à l'être, ce n'est pas rien de nouveau. On peut aussi citer Lao Tzu, vous savez. Voilà. Non, mais donc, vous allez dans mon sens. C'est pas, oui, Bergson ne l'invente pas. Non, il ne l'invente pas. C'est pour ça qu'il est l'héritier de cette tradition philosophique. Il est tout à fait. Mais c'est une tradition qui a peu de représentants dans le monde occidental, qui s'est construite un peu en opposition à cette tradition. Et c'est ce qui fait toute la valeur et toute la qualité du travail de Bergson. Et oui, attention, je disais, le micro s'ouvre pendant que Géraldine Massassavoie s'installe derrière la table du studio. You've changed, c'est Ella Fitzgerald qui le chante, mais quand on comprend bien Bergson, on voit que de toute façon, il n'y a que du changement, c'est-à-dire du devenir, et que c'est l'inverse qui est un contresens, on vous a bien compris, enfin j'espère. Paul-Antoine Miquel, un grand merci d'être venu nous parler de Bergson aujourd'hui. Je renvoie à votre édition en Garnier Flammarion de La Pensée et le Mouvant, où il y a une présentation de Pierre Montebello et Sébastien Miravette, et puis votre livre Bergson dans le miroir des sciences, qu'on trouve aux éditions Guimet. Merci beaucoup. Sur France Culture à 10h48, il est temps de retrouver donc les deux minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien, je vois que pour le livre qui a retenu votre attention aujourd'hui, eh bien, il s'agit de Bergson également. En tout cas, je vois que c'est dans le titre. Eh oui, exactement. Il est bon de terminer cette semaine consacrée à la pensée et le mouvement de Bergson, et bien encore avec Bergson, mais cette fois-ci avec un ouvrage de Lionel Astesiano qui fait le pari de prendre en charge toute son œuvre, de son premier essai sur les données immédiates de la conscience, jusqu'à son dernier livre sur les deux sources de la morale et de la religion, et jusqu'à ses cours, et pour le rapprocher en plus d'un autre philosophe, et pas des moindres, vous en avez un petit peu parlé, c'est Spinoza. C'est donc bien un pari, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'approcher deux grands philosophes, mais bien de les rapprocher, de rapprocher en fait l'incomparable, à savoir d'un côté le philosophe systématique et déterministe de l'éthique, avec celui qui s'oppose, avec la conscience, la durée et la liberté, à tout dogmatisme. La ligne de joie, c'est quoi? C'est tout ce qui s'enchaîne à partir de ma rencontre avec un corps qui convient avec le mien. Donc ce corps qui convient avec le mien, je l'aime. De même que la haine découlait de la tristesse, l'amour découle de la joie. Incomparable, mais pas impossible, car s'il y a un troisième philosophe qui a tout autant parlé de Bergson que de Spinoza, c'est bien Gilles Deleuze que l'on vient d'entendre, et avec ce thème que l'on vient d'entendre aussi de la joie, thème que vous avez pu évoquer durant cette semaine et que l'on retrouve donc dans cet ouvrage, et pas seulement pour rapprocher artificiellement donc deux philosophes éloignés, mais pour poser cette question cruciale, comment la joie peut-elle procurer plus que de la joie? Plus précisément, comment la joie ne procure pas seulement un sentiment de liberté, mais en est en fait la condition. Et sur cette question, la seconde, la
La deuxième partie, et donc seconde moitié de cet ouvrage, propose des pages passionnantes. Distinction entre la joie et la tristesse avec Spinoza, distinction entre émotion et affection avec Bergson, écho entre le fait de persévérer dans son être, le conatus, et l'élan vital. C'est comme si l'un et l'autre, Spinoza et Bergson, se répondaient. C'est comme si ensemble de concert, ils se mettaient à deux pour nous montrer comment la joie n'est pas une évasion du réel, mais permet au contraire de voir, d'être lucide sur ce réel. Oh bah quel programme, on a tout de suite envie de le lire. Hein, ce livre, oui. Joie et liberté chez Bergson et Spinoza. Mais oui, en plus c'est un beau titre. C'est de Lionel Astesiano et c'est aux éditions du CNRS. Merci Géraldine, merci à tous. Les chemins de la philosophie touchent à leur fin et donc c'est la fin de cette série sur la pensée et le mouvement d'Henri Bergson. Mais on se retrouve demain pour les chemins du vendredi où ce sera un bergsonien, le philosophe Camille Riquier, qui viendra vous parler cette fois-ci de Peggy, philosophie de Peggy ou les mémoires d'un imbécile. Et ça, ce sera demain à 10h donc en direct sur France Culture. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que cette série d'émissions sur Bergson en vous rendant sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter en ligne l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et c'est aussi valable évidemment pour les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Merci à Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine, Georges Clès qui a prêté sa voix à celle d'Henri Bergson, Élise Leu qui était à la prise de son aujourd'hui, Marianne Chassor, Livia Garrigue, Antoine Ravon et Nicolas Bouteloup, c'est l'équipe des chemins de la philosophie. Rendez-vous sur Facebook et Twitter, hein, où nous attendons vos remarques et commentaires. Nous sommes partenaires de Philosophie Magazine qui propose ce mois-ci, au mois de juin 2017, un dossier intitulé « Quelle part d'enfance gardons-nous ?» un magazine à se procurer et que vous pouvez vous procurer en kiosque actuellement, évidemment.